Alors, de ce fait, on va venir ici, on va ajouter l'adresse ici, là, c'est le 192.168.2.50. Le passerelle par défaut, c'est le 192.168.2.254. Très bien. Là, on vient sur l'autre côté. Ici, on a mis 200, 254. Alors là, si on regarde ici, là, 192, 168.5.25, 192, 168.5.254. Cent quatre-vingt-douze point cent soixante-huit point cinq point cinq point cinquante. Cent quatre-vingt-douze cent soixante-huit point cinq point deux cent cinquante-quatre. Parfait. Alors, au moment que on a terminé notre configuration, et on va directement tester un par un. On va tester pour savoir est-ce que franchement ça passe à la merveille ou bien ça ne passe pas à la merveille. Ici, bon, sur cette ancienne version, il suffit de cliquer ici là et cliquer là pour voir directement est-ce que ça passe. Première fois, ça ne passe pas normalement. Et puis on va faire d'abord par les pas les plus simples, le plus celui-là, c'est le plus simple encore. Après, on va balancer celui-là, ça revient là-bas. Après, on va le balancer ici. Il faut regarder en bas, ça fait un fade. Après, on va le balancer là jusqu'à. Jusqu'à là encore, ça fait un fade. Et là, on doit directement savoir est-ce que celui-là a les bonnes informations. Dès qu'on a vu directement qu'il a les bonnes informations, est-ce que ici là, est-ce que c'est réclamé là-bas? Oui, on peut voir directement de l'autre côté et de envoyer ici. Là, il y en a un souci de progression. Du coup, on va tester par ligne de commande, ça sera énormément facile. Ping. On va pinger d'abord ici là, comme on a l'habitude. Est-ce que ça passe? Voilà, c'est ça. C'est ça le souci. C'est-à-dire que l'autre côté ne passe pas. Si celui-là n'arrive pas à envoyer, est-ce que ça peut envoyer un message ici? Ça ne passe pas. Alors là, on va vérifier d'abord est-ce que notre configuration on l'avait activée. Pour ce faire, il suffit de regarder ici jusqu'à là où nous étions. Nous étions où nous étions. Voilà, là on a commis une grave erreur parce qu'on a mis point 1. Alors que ce qu'on a mis là-bas, c'est point 2. Du coup, pour ce faire, on va monter. On va monter comme ça. Dès qu'on est là, on va taper directement l'interface. Et dès qu'on a tapé l'interface, on va directement prendre l'interface en tant que telle. On le valide. Les erreurs parfois amènent directement des leçons. Adresse, vous mettez directement adresse, c'est-à-dire pour que vous puissiez directement le désactiver. 192 qui est là, 168, si j'ai bien compris, point 1, point 254. No IP adresse. Bon, ici là,
Il y en a deux méthodes à faire, mais il y en a le plus simple, c'est de mettre directement shutdown, désactiver l'interface. Si on a désactivé l'interface, et si on va regarder par exemple l'interface, on peut regarder l'interface pour voir show interface. IP, pardon, show IP interface. Bref, si on regarde ici, on peut voir directement que cette adresse là était utilisée avec celui-là, et nous on voulait pas directement utiliser ça, c'est-à-dire nous ne voulons pas utiliser celui-là, on doit directement le désactiver. Voilà, si vous regardez bien ici là, cette adresse est down, c'est-à-dire il ne fonctionne pas. Du coup là, on retourne ici pour faire la configuration avec notre deuxième adresse. Alors là, on arrive ici, on choisit notre terminal, on fait directement FAT 0/0. Donc on est là, on va taper directement IP add. Et là, on va mettre notre bonne adresse 192.168.2.254. Et là, dès qu'on a terminé, on va valider. Oui, il faut l'adresse. Ah là là là. Oui, 255.255.255.0. On valide, et ici là on met directement no shutdown. Voilà, moment qu'on a terminé ça, on peut sortir complètement, copier static config, et dès qu'on arrive à là, ici là on va vérifier tout ça, est-ce que ça passe à la merveille. Dès qu'on a mis notre adresse, c'est bon, on va entrer ici, on va envoyer là, on voit très bien que ça passe très bien. Ici vers ici, ça passe, on efface là, ici vers là, ça passe, ici vers ici, ça passe aussi. Ce qui fait que notre travail est déjà terminé. On peut aussi tester à partir de ici. Si vous faites directement ping 192.168.5.25, vous voyez là, ça fonctionne très bien. Et si vous vérifiez sur l'autre côté aussi, ça vérifie très bien. Il faut savoir aussi vérifier bel et bien vos adresses. Parfois on fait des erreurs, moi-même, bon, puisque j'ai coupé le notre page là avec le direct là-bas qui ne passe pas très bien. Alors là on avait fait des choses qui n'étaient pas totalement très bonnes. Là on vient juste de faire les modifications, et chaque personne regarde aussi et me dit directement là où il n'a pas compris. Comme ça on fera d'autres exercices et ça sera mieux pour tout le monde. Ok, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.